Vous l'avez déjà constaté, c'est un Noël vert, encore une fois, cette année à Montréal. Marc-Antoine, on se rend compte que ce n'est pas un phénomène qui est si rare. Oui, voilà, Simon, mais tout de même, quand même, personnellement, une petite déception hein, de mon côté quand je me suis levé ce matin, que je suis sorti de la maison. Constater encore une fois que ce sera un Noël vert cette année ici à Montréal, mais c'est le cas pour bien des régions où les précipitations neigent depuis le début du mois de décembre sont très maigres un peu partout au Québec. Évidemment, ce n'est pas une surprise, on s'y attendait, les probabilités étaient presque devenues nulles au cours des derniers jours, même qu'on en parle depuis le début du mois de décembre, qu'on pourrait connaître encore une fois un Noël vert. Ce n'est pas un phénomène si rare que ça ou un phénomène qui est en augmentation depuis les 80 dernières années. Quand on regarde les statistiques d'Environnement Canada, on constate que les Noëls verts à Montréal, donc moins de 2 cm de neige au sol entre 1955 et 87, il y a eu 6 Noëls verts et entre 1988 et 2021, on parle de 11 Noëls verts. Alors une légère augmentation, mais rien de très conséquent. Quand on regarde également la moyenne d'épaisseur de neige au sol, on parle de 8 cm de neige. Évidemment, aujourd'hui, on est à zéro ici à Montréal. Si on compare également avec une région, elle, qui est habituée de connaître beaucoup de neige, Simon, en Gaspésie, au bout de la péninsule gaspésienne à Gaspé. Le dernier Noël vert remonte à 2018. Alors, on se rend compte que c'est peut-être un peu plus fréquent qu'on le pense. Évidemment, on parle d'un hiver doux à prévoir. Bon, évidemment, en raison des réchauffements climatiques, mais aussi du phénomène El Niño. D'ailleurs, vous allez avoir une entrevue avec Gilles Brien, certainement pour éclaircir sur ces facteurs qui ont engendré, évidemment, ce Noël vert, encore une fois, cette année. Peut-être que ça change des plans pour bien des personnes, des activités familiales dans la neige à Noël. Mais évidemment, ça brise un peu cette magie en ce 25 décembre. Oui, exactement. La réalité ce matin, donc, de ne pas voir de neige dans bien des régions au Québec. Merci, Marc-Antoine. On s'en parle plus tard. À tantôt. À tantôt. La météo, Isabelle, oui, hein, c'est dans ta liste de souhaits en plus cette année d'avoir un Noël blanc, mais parfois c'est bon on peut... pour les déplacements, pour les oui, cadeaux de non, Noël. Exactement, il faut le voir comme qui... ça. Oui, pour ceux qui emballent les cadeaux, là, souvent, on a le petit frison qui est pris dans, bon, dans la neige. Là, cette fois-ci, c'est le calme plat, tout va bien. Mais oui, effectivement, comme on le mentionne, on n'a pas le contrôle. Maintenant, ce que l'on surveille ce matin, avertissement de smog à Québec, donc la qualité de l'air qui laisse à désirer, qui devrait s'améliorer au cours de la journée avec les vents qui vont se lever, comme on a un anticyclone, l'air est stagnant, l'air est doux. Oui, avec le chauffage au bois, puis le transport. Il y a, bon, des petites particules dans l'air, là, ça reste à surveiller. Et côté précipitation, ce que l'on surveille pour les déplacements, les 27 et 28 décembre, on attend un fameux système qui va nous apporter un mélange de précipitations. Mais ce qui préoccupe surtout Environnement Canada, c'est la pluie verglaçante qui devrait tomber dans le sud du Québec le 28. J'y reviendrai un peu plus tard dans le bulletin. Sinon, aujourd'hui, température très agréable pour Noël. On a de la fine brune intermittente pour l'ouest, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, le Témiscamingue. C'est plutôt nuageux aujourd'hui, mais il devrait y avoir de belles percées de soleil pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Je ne sais pas ce que vous avez fait au Bas-Saint-Laurent, mais d'après moi, vous avez été plus sage que les autres parce que c'est là que le beau temps se cache aujourd'hui. Merci beaucoup. Joyeux Noël.